Comment va votre barbier? Vous connaissez Figaro? Je sais que votre procès a interrompu sa carrière. J'essaye de le remettre au goût du jour. Puis-je? Avec plaisir. Qui t'a donné une philosophie si gaie? L'habitude du malheur. Je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Je donnerai ma fortune pour avoir écrit cela. J'apprécie l'hommage. De quoi parle votre dernière œuvre? De l'incapacité de votre roi à honorer sa femme. Pardon? Avez-vous déjà approché Louis XVI, monsieur de Beaumarchais? Lorsqu'il était dauphin, oui. Il ne baisse pas, monsieur. Il ne baisse pas. Et j'ai menacé la cour de France de le faire savoir au monde si le royaume ne me garantissait pas une retraite heureuse et dorée. Quel fut le résultat de ces menaces? Cette incarcération. On m'a même promis le pire si je ne livrais pas le lieu où se trouve mon manuscrit original. On vous a même promis le pire? Si je ne livrais pas le lieu où j'ai fait imprimer mon pamphlet.